Si j'écris, c'est parce que je ne sais pas faire autre chose. Et que mon prose en vers, mais ce n'est pas le problème, parce que je ne fais pas de grande. Je fais pas une différence radicale entre les vers et la prose. Ça, des livres en prose et de la littérature différente, par, justement par cette ouverture, cette rupture avec le langage courant utilitaire. Comprendre ce que j'ai pu faire dans ma vie sans savoir qu'à l'origine, je suis né dans un asile de fous, on appelait ça comme ça à l'époque, et que j'ai passé là avec des malades mentaux toute ma jeunesse jusqu'au bac à peu près. Oui. J'avais des copains de classe évidemment, mais j'avais quelqu'un qui était auprès de moi tout le temps, qui s'appelait Chacourla, qui était un délirant total, et je lui dois beaucoup, parce que il m'a donné aussi bien le langage que la manière de ramasser, de récolter les champignons, de traiter les animaux. Et on était vraiment, alors que j'avais des relations très très lointaines avec mes parents. Mais lui, il a compté beaucoup. Et puis, je vivais donc étant enfant dans l'enceinte même de cet asile. Je devais donc aller aux offices religieux des folles qui me faisaient porter du corps. Il y avait assister à des processions avec des ailes d'ange, des paniers pleins de pétales de rose que je pouvais distribuer comme ça, suivant le parcours. À Sardèche, j'ai vécu à peu près toutes les époques de ma vie et je me sens très proche du fait de cet univers minéral, ces volcans éteints avec des orbes basaltiques, par exemple, des torrents secs. Ah ben non, mais le verre à soi, c'est ma vie, ça, je l'ai vu dans une manière. Il y a vu des filles recoudre, faire des nœuds. C'est ce que j'ai vécu. Et vous avez changé le verre à soi en verre à soi. À soi, c'est une. Il faut suivre le vide. C'est là aussi où je trouve peut-être la façon dont j'écris les poèmes se rapproche de ma manière de regarder les artistes travailler. Parce que le tableau terminé, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est le work in progress, avec le fast qu'il y a en atelier. J'avais besoin, en écrivant ou après ou avant, de me retrouver dans l'atelier d'un peintre ou d'un sculpteur parce qu'on a besoin de tactile presque et aussi olfactif, besoin de sentir les odeurs de l'atelier et de toucher les matières, que ce soit du bronze, du bois, tout être peintre. C'est évident que c'est des événements de la dernière guerre mondiale, la Shoah par exemple. Ça a beaucoup influencé ce que je pense et ce que j'ai pu écrire. Même si c'est pas, si je n'ai pas traité ce thème d'une manière explicite, on est constitué avec cette matière, ce souffle-là. Et pour la poésie, ça se manifeste aussi par un mouvement de révolte contre la poésie elle-même dans sa tradition. Il me semble qu'on a pu assister après la guerre à des mouvements d'insurrection par rapport à la tradition et par rapport à la langue aussi. Moi, il me semble que la poésie que j'ai pu écrire, elle est dirigée en premier lieu contre la poésie. Même si ensuite elle la reprend au coin du bois, c'est d'abord un recul par rapport à la tradition que j'ai pu assimiler dans ma jeunesse. Et c'est ainsi, j'ai pu le dire tout à l'heure dans ce texte, que nous avions eu après la guerre un refus par exemple de la poésie de la résistance, comme aussi de la poésie des surréalistes. On est revenu à quelque
quelque chose de beaucoup plus radical, une nudité de la langue qui ne s'accommode pas du tout des images, de l'abondance des images et de cette culture-là. Et c'est ce que je trouvais dans les amis que j'ai eus après la guerre, notamment du Boucher, mais aussi Paul Celan, que j'ai bien connu. C'était contre la poésie, d'ailleurs. Pour Celan, il y a un théoricien célèbre qui a intitulé son livre, si je ne me trompe pas, oui. La poésie contre la poésie. Voilà. Ce que j'aime dans la poésie contemporaine, c'est celle qui a succédé à la guerre que nous avons eue à peu près à porter, à assumer, c'est cette poésie du refus, de la nudité, de la pauvreté. Et puis, lui aussi, sans être revendiqué, il était contre la poésie telle qu'elle était. Oui. Celle d'une langue ennemie aussi. Et il a cassé le langage, il en a fait un instrument différent. Moi, je pense que la déconstruction, elle est liée à l'écriture, ou pour ma génération en tout cas, dans la perspective de cette haine de la poésie dont Bataille a été le premier à mettre au premier plan. Et on n'a pas avancé depuis Bataille sur ce domaine. Et alors, je ne sais pas ce que moi, je me situe là-dedans, mais cette proximité, elle n'est peut-être pas visible, ni sensible, mais je veux dire que c'est. Je la vis chaque fois que j'écris. Mais je pense que je n'ai pas répondu à votre question. Parce que ce n'est pas ça que vous attendiez. Cher monsieur. Si c'est le lecteur dont vous parlez, je crois qu'il y avait une phrase dans ce que j'ai lu tout à l'heure. Qui disait que le lecteur était pour moi l'inconnu et qu'il en reste, ce qui n'est pas du tout